Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi en séance, l'examen d'un projet de loi mettant en œuvre le principe de participation du public posé par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article, c'est celui qui consacre comme principe à valeur constitutionnelle le droit pour chaque personne, non seulement d'accéder aux informations environnementales, mais encore et surtout de participer à l'élaboration des décisions publiques qui ont un lien avec l'environnement. Dans plusieurs décisions, en effet, en 2011, puis en juillet 2012, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi de questions prioritaires de constitutionnalité, avait jugé que ce principe de participation du public n'était pas correctement appliqué. Le texte en tire donc toutes les conséquences et souhaite donner à l'article 7 de la Charte de l'environnement toute sa portée. Et pour y parvenir, le texte prévoit que pour les textes mis en ligne, les observations du public qui sont recueillies par voie électronique devront être suivies de la publication de leurs observations. Alors, les Français pourront-ils désormais participer activement à l'élaboration des décisions publiques touchant à l'environnement? En tout cas, le débat est ouvert et c'est maintenant sur Public Sénat. La discussion du projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Delphine Batho, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Vous avez la parole, Madame la ministre. La parole est à Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission du développement durable, Raymond Vall, Madame la rapporteure Laurence Rossignol, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, toute personne a le droit, dans des conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, proclame l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le projet de loi que j'ai l'honneur de présenter au nom du gouvernement aujourd'hui propose de donner toute sa portée à ces dispositions constitutionnelles et de franchir une nouvelle étape dans la construction d'une démocratie écologique. En 2004, la France a en effet consacré en tant que principe à valeur constitutionnelle le droit d'information et de participation des citoyens aux décisions concernant l'environnement. L'article 7 de la Charte de l'environnement a en effet inscrit dans notre Constitution la substance du principe de participation affirmé par la Convention d'Aarhus, ratifiée par la France le 8 juillet 2002 et entrée en vigueur le 6 octobre suivant. Cette convention, en donnant une assise à des droits nouveaux, a opéré une révolution fondamentale dont nous n'avons pas encore fini de tirer toutes les conséquences. À tous ceux qui ne voyaient dans l'environnement qu'un empilement de normes et d'outils de protection au service d'une vision figée de la nature, elle a opposé que le respect de l'environnement supposait bien plus que cela, qu'il se construisait au travers de choix auxquels les citoyens devaient être pleinement associés et donc que l'environnement ne pouvait être protégé sans démocratie au sens le plus fort du terme. En prévoyant que les informations détenues par les autorités publiques devaient être transmises à tous, la Convention d'Aarhus a fait de la transparence une des valeurs essentielles de l'action publique en matière d'environnement. En exigeant que le public soit placé au cœur du processus décisionnel chaque fois qu'est engagé un projet ou envisagé un acte susceptible d'avoir un impact sur l'environnement, elle a fait de la prise en compte de l'intérêt des générations futures au travers de la préservation de l'environnement un des nouveaux piliers de notre modèle démocratique. Pour la première fois, elle a affirmé que parmi tous les enjeux, l'environnement avait une place à part, puisqu'il ne peut être pris en compte sans débat ni adhésion citoyenne. Les principes de la Convention d'Aarhus ont peu à peu irrigué notre droit, mais ont mis plus de temps à entrer dans nos pratiques administratives. C'est tout le travail d'élaboration de nos décisions normatives ou des décisions individuelles relatives aux grands projets qui devaient être revus en profondeur. La tâche était difficile.
Plusieurs décisions du Conseil constitutionnel ont mis en évidence récemment le caractère inachevé et incomplet de ces adaptations législatives, en exigeant qu'il y soit remédié d'urgence. Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l'occasion de souligner la portée du principe d'information et de participation du public. À l'occasion en particulier de son examen de la loi sur les OGM, il avait rappelé que seul le législateur était compétent pour définir les conditions et les limites dans lesquelles devait s'exercer le droit ainsi reconnu au public. Puis, le Conseil d'État avait fait aussi une application de ce principe en 2008 en annulant une procédure de participation prévue par décret. Ces décisions ont rendu nécessaires des adaptations de notre réglementation. Jusqu'alors, les procédures de participation relevaient en droit français de la seule voie réglementaire. Il a fallu donc les rendre législatives. En outre, ces procédures demeuraient lacunaires. Il n'y avait aucune procédure, par exemple, pour les textes réglementaires pris par l'administration. Or, il est bien évident qu'un texte réglementaire peut avoir un impact sur l'environnement en fixant de nouvelles règles pour l'exercice d'activités industrielles, par exemple. C'est la loi Grenelle 2 du 10 juillet 2010 qui a opéré les premières modifications, rénové les enquêtes publiques et introduit au Code de l'environnement des articles transversaux qui devaient s'appliquer lorsqu'aucune procédure n'était prévue. Ce sont les articles L121 et L122 du Code de l'environnement qui s'appliquent. Pourtant, ces adaptations sont restées insuffisantes et marquées par une certaine confusion entre information et participation. Si les enquêtes publiques sont des formes de participation du public incontestables, elles ne s'appliquent qu'à un petit nombre de décisions relatives à des projets importants par leur ampleur et leur impact. Pour de multiples autres décisions, bien souvent, le droit français ne prévoit qu'une consultation d'un organisme comprenant des représentants des diverses parties prenantes, donc une forme de participation indirecte. Ces insuffisances ont suscité des recours devant le Conseil constitutionnel. Une série de décisions rendues dans le cadre de la procédure de questions prioritaires de constitutionnalité ont ainsi déclaré contraire à l'article 7 de la Charte certaines des dispositions du Code de l'environnement. Leur abrogation prendra effet soit le 1er janvier, soit le 1er septembre 2013, selon les cas. Ce projet de loi est donc marqué par l'urgence, je devrais même dire l'extrême urgence, puisque notre calendrier est très serré. Des dispositions vont tomber le 1er janvier prochain et nous ne pouvons pas courir le risque d'asseoir sur des dispositions censurées des décisions importantes pour la vie économique et sociale de notre pays. Les censures du 14 octobre 2011 portaient en effet sur la procédure de l'enregistrement qui s'applique à des centaines d'ICPE, installations classées pour l'environnement, en France. J'ajoute que le Conseil constitutionnel devait statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 121 du Code de l'environnement d'ici la fin du mois de novembre. Et nous ne pouvons attendre des juridictions suprêmes qu'elles nous disent ce que nous devons faire. Il revient en effet aux législateurs d'assumer ses responsabilités et d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble des décisions publiques dans les meilleurs délais. Mais je veux aussi souligner que cette contrainte de l'urgence bien réelle peut être une opportunité, pas seulement pour pallier un manque, mais pour accomplir ensemble un nouveau progrès pour la démocratie environnementale. Ce projet de loi exige en effet que nous nous rassemblions sur les grandes valeurs qui doivent guider l'adaptation de toutes nos procédures administratives. Nous devons relever le défi de la participation des citoyens avec enthousiasme, avec la conviction que l'introduction de procédures de démocratie participative, simples, utiles, est absolument nécessaire dans le domaine de l'environnement où les intérêts à long terme de notre société et de la planète sont en cause. La feuille de route pour la transition écologique sur laquelle le gouvernement s'est engagé à l'issue de la conférence environnementale a ainsi fixé l'ambition d'améliorer la gouvernance environnementale et de favoriser la participation effective des citoyens. Je veux insister d'abord sur l'ampleur du champ couvert par le principe de participation. En effet, en rendant ses décisions, le Conseil constitutionnel a défini un champ d'application très large. Les deux QPC numéros 2011-183 et 184 du 14 octobre 2011 concernaient des actes réglementaires en matière d'ICPE. La QPC 2012-269 du 27 juillet 2012 a déclaré contraire à la Constitution, avec effet au 1er septembre 2013, des décisions individuelles en censurant le quatrièmement de l'article 411.2 du Code de l'environnement qui permet de prendre des dérogations individuelles
sexuelle pour des motifs scientifiques à l'interdiction de porter des atteintes à certaines espèces sauvages. La QPC 2012-270 du 27 juillet 2012, quant à elle, concernait des décisions relatives à la délimitation des aires de captage d'eau potable, donc ce que l'on appelle une décision d'espèce, c'est-à-dire ni réglementaire ni individuelle, consistant à définir une zone dans laquelle s'applique telle ou telle réglementation. Elle présente en outre l'intérêt de porter sur une décision prise notamment avec une collectivité. Depuis ces QPC, c'est bien l'ensemble des décisions publiques, quelle que soit leur nature, réglementaire, individuelle ou d'espèce, et surtout quelle que soit l'autorité qui les rend, administrative de l'État central ou déconcentrée, mais aussi des collectivités territoriales, qui, dès lors qu'elles ont un impact sur l'environnement, peuvent faire l'objet d'une censure du Conseil constitutionnel. Toutes ces décisions doivent donc être au plus tard, d'ici le 1er septembre 2013, rendues conformes à la Constitution. En outre, les décisions du Conseil constitutionnel nous imposent de nous interroger très concrètement sur la qualité et les formes que doit revêtir cette participation et de distinguer très clairement la consultation d'un organisme et la participation de tous. Les principes ont été affirmés depuis longtemps, il faut maintenant les faire vivre dans des formes concrètes. Sans avoir expressément exclu d'une manière générale toute forme de participation indirecte du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement, le Conseil constitutionnel a fait clairement apparaître dans ses décisions, rendues notamment en matière d'installation classée, qu'une disposition générale se bornant à prévoir une publication du projet de décision puis sa transmission à un organe consultatif comportant des représentants de catégories de personnes concernées n'assure pas la mise en œuvre du principe constitutionnel de participation. L'article 1er du projet de loi modifie donc l'article L120-1 du Code de l'environnement qui, en l'absence de procédure particulière, organise la participation du public à l'élaboration des décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé directement sur la constitutionnalité de cet article, mais je l'évoquais, il fait l'objet d'une fragilité juridique puisqu'il est frappé d'une QPC qui est en train d'être examinée. Le 1 de l'article L120-1 du Code de l'environnement, dans la rédaction que lui donne le projet de loi, élargit donc le champ d'application de cet article à l'ensemble des décisions des personnes morales autres qu'individuelles, ce qui exclut notamment les décisions dites d'espèce. Le projet modifie l'article L120-1 sur un point important, disparaît la mention des décisions publiques ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. C'est la formulation qui est retenue et désormais celle de la charte de l'environnement. Il s'agit d'une avancée très importante puisque la formulation actuelle était restrictive et source d'ambiguïté. Et en ce qui concerne les modalités de participation du public aux décisions, une mise à disposition par voie électronique permettant de recueillir les observations du public était déjà prévue, mais cette procédure est améliorée. Je rappelle qu'aujourd'hui, les projets sont mis en ligne sur un site pour une durée minimale de 15 jours durant laquelle le public peut formuler ses observations. Pour permettre la prise en compte des observations, un délai minimal est fixé de 2 jours entre la fin de la consultation et l'intervention de la décision. Aucune disposition législative ne définit la façon dont les observations doivent être prises en compte. Dans la nouvelle procédure, il y a toujours une mise à disposition pour une même durée de 15 jours, même si c'est un point qui fait débat. Cette durée est un minimum et peut être allongée, l'esprit de la Convention d'Aarhus étant clairement de proportionner la participation du public à l'importance et à la complexité du projet. La mise à disposition du projet est accompagnée d'une notice explicative permettant aux citoyens de comprendre le contexte et les objectifs poursuivis. C'est la première nouveauté. Mais surtout, cette mise à disposition n'est qu'un préalable à ce qui est en réalité l'objectif de la participation, c'est-à-dire la prise en compte des observations du public. Désormais, une synthèse écrite des observations devra être effectuée par l'autorité dont émane le projet, et cette synthèse devra également être rendue publique. Ainsi, les citoyens pourront par eux-mêmes constater que leurs observations ont été analysées et vérifier en toute transparence la façon dont elles auront été prises en considération. Ils auront le projet initial, la synthèse des observations et le projet final. L'ensemble du processus décisionnel devient transparent. C'est l'apport principal de cette nouvelle procédure. J'ajoute que j'ai bien conscience que cette procédure peut être encore améliorée. Je rappelle qu'elle se borne à définir un socle minimal commun qui peut toujours être plus ambitieux selon les décisions. L'analyse quantitative, puisque c'est un point à prendre en considération, des procédures de participation que l'administration de mon ministère met en œuvre depuis 2010 figure
dans l'étude d'impact qui est jointe au projet de loi. Ainsi, si en matière d'ICPE, les observations du public, qui sont souvent le fait de professionnels ou d'associations expertes, dépassent rarement la dizaine, en revanche, les chiffres sont très significatifs dans le domaine de l'eau et de la faune. 4 984 observations recueillies lors de la mise en ligne du projet de décret relatif aux programmes d'action régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Les projets de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ont recueilli à eux tous 386 505 observations. Le décret d'adoption des orientations nationales de la trame verte et bleue, pour prendre un autre exemple, a recueilli 2 704 observations. On peut se féliciter de ces chiffres qui montrent une vitalité dont on parle peu, mais il faut être réaliste et imaginer la charge de travail que représente le traitement de plusieurs milliers d'observations. Le 3 de l'article L121 reprend le cadre de l'actuel qui prévoit la possibilité, dans certains cas d'urgence, de supprimer ou d'adapter la consultation du public. Enfin, le 5 de cet article L121 reprend, en le clarifiant, les termes du 5 de l'actuel article qui détermine les intérêts en vue de la protection desquels les modalités de la participation du public peuvent être adaptées. Je voudrais ici remercier tout particulièrement la Commission qui, sous l'impulsion de sa rapporteure Laurence Rossignol, a donné une ampleur nouvelle à l'article 1er du projet de loi qui définit ce socle minimal de procédures de participation par voie électronique amené à se développer dans les années qui viennent. La Commission a fait œuvre utile et ouvert des pistes très intéressantes. Il est bon de rappeler, ainsi qu'elle l'a fait, les objectifs de la participation du public, encore trop souvent confondus avec l'information ou avec une consultation purement formelle, qui sont des notions bien différentes. Il s'agit bien d'associer toute personne à l'élaboration des décisions ayant un impact sur l'environnement. L'autorité compétente reste bien sûr maître de la décision, mais elle doit tenir compte des observations du public. Ces règles générales sont ensuite déclinées dans une procédure que la Commission a précisée en s'interrogeant de façon très concrète sur le déroulement de celle-ci étape par étape. Comment ne pas exclure les personnes ne disposant pas d'un ordinateur et d'une connexion à Internet? Comment faire en sorte que les observations du public soient déposées en toute transparence? Et surtout, comment le public peut-il s'assurer que ces observations ont bien été prises en compte? À toutes ces questions, la Commission a répondu de façon pragmatique et positive. La démocratie ainsi progresser et elle est faite, vous le savez, de règles concrètes et d'une infinie précision de détails matériels qui ont chacun leur sens. Et je remercie la Commission de ces améliorations, même si bien sûr il pourra y avoir des discussions sur tel ou tel point. Les articles 2 à 4 du projet de loi ont pour objet d'apporter aux dispositions législatives du Code de l'environnement concernées par les déclarations d'inconstitutionnalité prenant effet le 1er janvier 2013, ainsi qu'à des dispositions analogues entachées du même vice, soit du Code de l'environnement, soit du Code rural, les corrections nécessaires pour assurer leur conformité à l'article 7 de la Charte de l'environnement. L'article 2 abroge les dispositions de l'article L512-9 et L512-10 du Code de l'environnement qui se bornaient à prévoir la publication du projet de décision avant sa transmission à un organe consultatif. De la même façon, il y a la disparition de ces procédures particulières de mise à disposition du public des projets de décision aura pour effet de rendre applicables les dispositions transversales de l'article L121 du Code de l'environnement dans la rédaction qui sera issue du projet de loi. Je ne reviens pas en détail sur les différents articles, 3, 4, 5, nous en viendrons, nous les aborderons dans la discussion. Il s'agit d'adaptations à chaque fois, notamment pour le Code rural et de la pêche maritime, de ces dispositions. Je voulais peut-être insister enfin sur l'article 7 qui habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet de prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte, les conditions et les limites de la participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement, autres que celles incluses dans le 1 du fameux article L121 du Code de l'environnement, c'est-à-dire les décisions individuelles de l'État et de ses établissements publics et toutes les décisions réglementaires d'espèces ou individuelles des collectivités locales. Cet article 7 définit également, notamment en modifiant l'article L122 du Code de l'environnement, les conditions
auxquels les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à la participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public. Si un texte support a donné lieu à une procédure de participation, le texte pris en application pourrait évidemment en être dispensé. Le gouvernement, par cet article 7, serait aussi autorisé à prendre par ordonnance les dispositions permettant d'étendre les dispositions de la loi aux îles de Wallis et Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises. Je sais que le recours à une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, a fait débat lors de l'examen du projet de loi en commission. Je connais les réticences des parlementaires à déléguer ainsi leur pouvoir législatif à l'exécutif et je souhaite donc vous rassurer sur les intentions du gouvernement et prendre devant vous des engagements extrêmement clairs. J'aurai l'occasion, à l'issue de cette discussion, de recevoir les représentants des associations d'élus. Je leur dirai que le recours à l'ordonnance est lié à une contrainte majeure de calendrier. En effet, le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 2012-269 du 27 juillet, a déclaré contraire à la Constitution, avec effet au 1er septembre 2013, les décisions individuelles de l'État, de ses établissements publics d'une part, et toutes les décisions des collectivités territoriales d'autre part, qui ne respecteraient pas l'article 7 de la Charte de l'environnement. Il existe donc un risque d'insécurité juridique majeure pour l'État comme pour les collectivités territoriales. Cependant, je souhaite non seulement associer les associations d'élus, mais aussi le Parlement aux travaux préparatoires à la rédaction de cette ordonnance. Je proposerai donc, si le Président en est d'accord, de consulter régulièrement votre commission du développement durable tout au long de ce processus. En ce qui concerne les collectivités territoriales, je veux indiquer dès à présent que les règles qui les concerneront seront adaptées et ne seront en aucun cas plus lourdes que celles qui s'imposent à l'État. J'ai pris en compte l'urgence et dès ma prise de fonction, le travail d'élaboration de ce projet de loi a été entrepris. Mais dans le même temps, j'ai estimé qu'il n'aurait pas été raisonnable d'imposer sans réflexion ni concertation préalable aux collectivités locales des dispositions auxquelles elles doivent être préparées et qui doivent être adaptées à leurs particularités géographiques, démographiques ou technologiques. Si à l'échelle d'une grande ville, organiser une vaste consultation par Internet est un moyen approprié de faire participer le public, en revanche, ce n'est pas nécessairement le cas dans une petite commune rurale où tous les habitants ne sont pas encore connectés au haut débit. Dans ce cas, une forme de réunion publique locale serait mieux adaptée à une transcription législative précipitée. J'ai donc préféré un travail dans la concertation débouchant sur une ordonnance. Je veux ajouter que l'écologie ne soit pas vécue comme une contrainte. Et c'est trop souvent le cas du fait, il faut le reconnaître, d'un certain empilement des textes réglementaires et des procédures qui s'ajoutent les unes aux autres. Beaucoup d'élus locaux, mais aussi de chefs d'entreprise, m'en ont fait part concernant le bilan du Grenelle de l'environnement. C'est pourquoi, lors de la conférence environnementale, a été discutée la nécessité d'un processus de modernisation du droit de l'environnement, avec un haut niveau d'exigence écologique qui, à mes yeux, n'est pas incompatible avec des procédures lisibles et efficaces. Des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement seront donc organisés au printemps prochain pour entreprendre une réforme de notre droit de l'environnement qui ne peut continuer à empilmer les procédures de débat, d'enquête, de consultation et de participation, sauf à risquer la paralysie de toute décision. Ce sera l'objet donc de ces états généraux auxquels je souhaiterais associer pleinement les élus. Il y aura donc, mesdames et messieurs les sénatrices et les sénateurs, un acte 2 de la construction d'une démocratie environnementale moderne. Dès à présent, nos lois doivent être conformes à notre conception d'une démocratie écologique avancée, aux valeurs que nous avons inscrites dans notre Constitution. Notre loi fondamentale n'énonce pas des principes théoriques. Elle proclame en matière d'information et de participation aux décisions des droits concrets et inaliénables dont dispose chaque citoyen et dont il nous appartient désormais d'assurer l'effectivité. J'espère que la discussion permettra encore d'améliorer ce projet de loi et que nous pourrons tous être rassemblés autour de cette ambition. Merci, Madame la Ministre. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Laurence Rossignol, rapporteure de la Commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire. Bonjour.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission du Développement Durable, de l'Aménagement du Territoire et des Transports, mes chers collègues, l'objectif du projet de loi que nous examinons aujourd'hui est d'assurer la mise en œuvre effective du principe de participation du public consacré à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le texte, dont le Sénat a été saisi le 3 octobre 2012 en première lecture, a été soumis à la consultation du public du 11 au 24 septembre dernier, en application du principe de participation qu'il tend lui-même à garantir. Ce projet de loi s'inscrit pleinement dans le cadre de la feuille de route pour la transition écologique établie à l'issue de la conférence environnementale et qui appelle à une participation effective du public, ainsi qu'à un rôle renforcé des citoyens dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques. C'est effectivement une nécessité en matière environnementale et je me réjouis que le gouvernement en fasse une de ses priorités. Tirant notamment les conclusions des 4 censures du Conseil constitutionnel, ce projet de loi a donc pour but de définir les conditions et les limites de la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Pour éclairer les enjeux de ce texte, je rappellerai d'abord que la genèse du principe de participation du public est déjà ancienne. Ce principe a été affirmé de longue date en droit international. Dès la déclaration de Rio en 1992, était rappelé que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient. La Convention d'Aarhus, signée le 25 juin 1998 par la France, vise de son côté à garantir le droit à l'information des citoyens en matière environnementale, leur participation au processus décisionnel ainsi que leur accès à la justice. De nombreux pays, de nombreux États ont déjà mis en œuvre le principe de participation. Le modèle est encore aujourd'hui les États-Unis, où l'Administrative Procedure Act prévoit que depuis 1946, une procédure extrêmement détaillée de participation s'appliquant à la majorité des textes réglementaires, quel que soit leur sujet traité, est obligatoire. Au Québec, un bureau d'audience publique permet depuis 1978 de consulter la population sur les dossiers relatifs à l'environnement et aux projets d'infrastructure. En France, la consécration du principe de participation est intervenue après l'adoption de la Charte de l'environnement en 2004, adossée en 2005 à la Constitution. Dans son article 7, la Charte dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ». La mise en œuvre de cet article a été codifiée à l'occasion de la loi Grenelle II. Cet article s'applique lorsqu'aucun dispositif particulier de participation n'est prévu, comme par exemple une enquête publique. Il prévoyait que toutes les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement soient soumises à participation. À l'occasion des décisions rendues dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a prononcé la non-conformité à la Constitution de 4 dispositifs de participation spécifiques prévus dans le Code de l'environnement et présentant pour la plupart de fortes similitudes avec le dispositif de l'article L121. Et il a également jugé que les décisions individuelles devaient, au même titre que les décisions réglementaires et les décisions d'espèce, faire l'objet d'une participation du public. L'abrogation des dispositions concernées interviendra donc, selon les cas, au 1er janvier ou au 1er septembre 2013. Une autre décision du Conseil constitutionnel devrait intervenir d'ici la fin du mois de novembre, cette fois-ci sur la constitutionnalité de l'article L120-1, et il devrait très probablement subir le même sort. Je me félicite donc qu'avec ce projet de loi, le gouvernement anticipe comme il convient cette décision. C'est donc dans ce calendrier et ce cadre contraint que se situe l'examen du présent projet de loi. C'est aussi, pour le gouvernement comme pour nous, l'occasion de proposer des modalités d'application véritablement effectives du principe de participation du public. C'est dans cet esprit que notre commission s'est saisie du projet de loi. Son article 1er réécrit l'article L120-1 du Code de l'environnement qui est au cœur du dispositif de participation. Il anticipe en ça la décision à venir du Conseil constitutionnel. Le champ d'application de l'article, limité actuellement aux seules décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, est étendu à l'ensemble de leurs décisions autres qu'individuelles. Seront ainsi concernés, par exemple, les projets de décret en matière de police de l'eau, les arrêtés concernant l'ouverture de la chasse ou encore les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées. Il ne s'agit en aucun cas de superposer une nouvelle procédure de participation au dispositif existant d'enquête publique ou de concertation. Cet article L120-1 est supplétif et ne s'appliquera qu'en l'absence de procédure spécifique de participation.
Il prévoit qu'une procédure permettant de recueillir directement les observations du public devra être suivie pour toute décision ayant une incidence sur l'environnement. L'administration aura obligation de publier une synthèse des observations reçues. Les articles 2 à 5 du texte modifient plusieurs procédures particulières de participation du public prévues dans le Code de l'environnement et le Code rural, notamment en matière d'installations classées ou encore de zones d'alimentation des captages d'eau potable. Dans tous les cas, l'article L120-1 devient le droit commun applicable. L'article 6 module dans le temps l'entrée en vigueur du nouveau dispositif qui prendra effet au 1er janvier 2013. Il est en effet important que les décisions abrogées soient remplacées à cette date et que les procédures de participation en cours ne soient pas entachées de nullité. Enfin, l'article 7 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour prévoir la participation du public aux décisions autres que celles prévues à l'article L120-1 du Code de l'environnement, à savoir les décisions individuelles émanant de toutes les personnes publiques, les décisions réglementaires et d'espèces émanant des personnes autres que l'État, par exemple les collectivités territoriales ou les autorités administratives indépendantes. La Commission du développement durable a adopté un certain nombre d'amendements proposés par sa rapporteure et aussi par plusieurs autres de ses membres afin de renforcer la portée du dispositif. Un premier amendement inscrit au début de l'article L121 les objectifs et les principes de la participation du public. Il nous a semblé en effet utile de les expliciter et de bien faire comprendre aussi bien au grand public qu'à l'administration l'importance et l'intérêt de cette participation. Un deuxième amendement a précisé le contenu de la note de présentation jointe au projet de décision qui devra préciser le contexte dans lequel la décision est prise. Cet amendement met en œuvre le corollaire du principe de participation du public, à savoir le droit à l'information en matière environnementale. Un troisième amendement a porté la durée minimale de participation à 21 jours par voie postale et 30 jours par voie électronique. La possibilité de contribution par voie postale est en effet importante pour n'exclure aucun citoyen de la participation. Par ailleurs, le délai minimal de 15 jours initialement prévu a semblé trop court à la Commission pour permettre au public de prendre à la fois connaissance de la consultation et de formuler utilement ses observations. Un quatrième amendement vise à rendre obligatoire la publicité des observations effectuées sur le projet de décision. Cette publicité est généralement la norme dans tous les pays disposant de procédures de participation abouties comme les États-Unis. Cela doit permettre une participation plus efficace, plus transparente et moins verticale. La Commission a adopté un cinquième amendement sur proposition de notre collègue Évelyne Didier afin de prévoir la transmission aux conseils municipaux des projets de décision les concernant. Ils disposeraient alors d'un délai de 1 mois pour se prononcer, faute de quoi leur avis serait réputé favorable. Ce délai d'un mois est calqué sur celui laissé au public pour formuler ses observations et n'allonge donc pas la procédure de participation. Trop souvent, en effet, des décisions ayant une incidence sur l'environnement sont prises sans même que les communes en soient informées. La Commission a conscience des éventuelles difficultés pratiques de mise en œuvre d'un tel dispositif de transmission, mais il s'agit d'un problème que nous souhaitons voir traité au cours de l'examen cet après-midi en séance publique. Un sixième amendement a été adopté en vue d'articuler la consultation, s'il y a lieu, d'un organe collégial avec la participation directe du public. L'organe consultatif devra disposer de la synthèse des observations du public avant de rendre lui-même son avis. Il s'agit d'éviter des consultations parallèles dans lesquelles les informations ne se croisent pas et une expression du public qui n'arriverait pas jusqu'aux oreilles des comités chargés d'émettre un avis sur le même projet de décision. Le septième amendement porte sur la méthode par laquelle l'administration démontre qu'elle a tenu compte des observations du public. Il ne paraît ni envisageable ni souhaitable d'imposer une obligation générale de motivation des décisions publiques. Cette obligation est, rappelons-le, restreinte aux décisions individuelles défavorables depuis la loi du 11 juillet 1979. En revanche, il est possible de prévoir que l'administration indique dans la synthèse des observations qu'elle doit effectuer celle des observations qu'elle a choisi de suivre. Enfin, il a été adopté un amendement de précision concernant le critère de l'urgence qui peut, dans certains cas, justifier que ne soit pas procédé à une procédure de participation ou d'en réduire les délais. La Commission a par ailleurs inséré 2 articles additionnels, un article additionnel après l'article 2 afin de mettre en conformité avec la Constitution des dispositions qui avaient été oubliées dans le projet de loi concernant les canalisations des transports et des plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi qu'un article additionnel après l'article 4 dans le but de compléter la composition des comités régionaux des trams vertes et bleues. Ces comités n'incluent pas à l'heure actuelle de certaines parties prenantes, comme par exemple les représentants des usagers de la nature, l'État ou encore les organismes de recherche. Ce nouvel article vise à rendre leur composition conforme à l'esprit d'ouverture de la participation indirecte du public par le biais d'organes collégiaux.
Voilà, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le sens des travaux de la Commission du développement durable. Vous savez, Madame la Ministre, que notre Commission a eu une discussion approfondie sur l'article 7 et le recours aux ordonnances. Vous avez compris la sensibilité du Parlement à l'usage des ordonnances et vous avez, dans votre intervention liminaire, indiqué à la fois votre perception et la légitimité de cette inquiétude, mais aussi vous avez souhaité nous apporter toutes les garanties possibles sur la consultation, l'association du Parlement et le respect des ordonnances de l'esprit de l'article 1. Je vous en remercie et je souhaite que ces précisions que vous avez apportées soient entendues et débattues cet après-midi par nos collègues. Je rappellerai enfin pour finir que même si ce texte est né d'une sanction du Conseil constitutionnel imposant une mise en conformité rapide du Code de l'environnement, il n'en constitue pas moins l'occasion de rendre pleinement effectif le principe fondamental de participation du public. C'est une petite révolution que nous faisons chaque jour. C'est une révolution pour les administrations, une révolution pour toutes les autorités, et c'est une révolution qu'il faut porter. C'est notre rôle aujourd'hui, et je souhaite qu'avec ce texte, nous ferons un pas de plus vers la mise en place d'une véritable démocratie environnementale qui est aujourd'hui la condition d'une démocratie moderne. Merci, Madame la rapporteure. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Alain Houpert. Monsieur le Président, Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, mes chers collègues, en bâtissant les fondements d'une démocratie économique et sociale, le Constituant de 1946 s'est donné pour mission de prolonger l'œuvre des grands républicains de la Révolution française. Il a ainsi contribué à traduire dans le droit une certaine vision de la démocratie, celle d'un système de gouvernement dans lequel la participation de chacun procède non seulement d'un geste politique, le suffrage, mais aussi d'une philosophie de la vie qui soit à même de s'exprimer concrètement et de manière continue dans tous les domaines de l'action publique. Bien que plus tardive, la notion de démocratie environnementale procède de cette même philosophie, celle d'une démocratie dans laquelle des formes participatives de gouvernement complètent l'expression éminente, essentielle, durable, mais aussi ponctuel et général du suffrage politique. Sa construction s'inscrit ainsi dans une évolution plus globale d'approfondissement de la démocratie dite administrative qui complète et enrichit la pratique démocratique dans son ensemble. La notion de démocratie environnementale est en effet une composante importante du développement de la démocratie et ainsi une source de renouvellement du pacte social. Elle traduit l'émergence d'une nouvelle forme de citoyenneté dont l'objet, non sans un certain paradoxe, n'est pas tant le gouvernement de la cité que la participation de chacun dans la détermination de la chose publique. La démocratie environnementale repose essentiellement sur l'affirmation de deux droits récents, le droit d'information et celui de participation, qui figurent tous deux à l'article 7 de la Charte de l'environnement, projet d'ailleurs initié par le président Jacques Chirac. Ces droits sont des droits de citoyenneté, en ce sens que leur exercice, à l'instar de la citoyenneté que l'on pourrait qualifier de politique, révèle d'une démarche de légitimation de l'action publique. Tel est le cas des procédures administratives au travers desquelles le public participe à la formation de la décision administrative et donc d'une expression de l'intérêt général. Ces procédures sont particulièrement développées lorsqu'il s'agit de préparer et de mettre en œuvre des projets particuliers. L'enquête publique, par exemple, s'impose aujourd'hui préalablement à tous les projets ayant une incidence sur l'environnement. Son objet est de permettre au public de se prononcer sur l'opportunité d'un projet. Il en va de même de la procédure de concertation, originellement liée au droit de l'urbanisme, mais qui trouve aujourd'hui des prolongements dans le domaine du droit de l'environnement, soit lorsqu'aucune autre procédure participative n'est prévue, soit par exemple dans le cadre de l'élaboration des études d'impact. La formulation même de l'article L123-16 du Code de l'environnement, qui concerne les études d'impact, exprime de manière éclairante l'objet de cette procédure
qui est d'associer le public à l'élaboration du projet, c'est-à-dire à la détermination de l'intérêt public qui s'attache à sa réalisation. Le débat public, enfin organisé à l'occasion de la préparation des projets publics ou privés qui ont des impacts significatifs sur l'environnement, a pour objet même la participation du public pendant toute la phase d'élaboration de ces projets. Cette notion de participation, comme l'idée même de débat, atteste la relation évidente entre la procédure de débat public et la pratique démocratique. Tout autant que la mise en œuvre de projets particuliers, l'application du principe de participation à la procédure d'élaboration des actes réglementaires illustre la dynamique de la démocratie environnementale qui conduit à associer le public à la détermination de l'intérêt général. Lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour l'environnement dit Grenelle 1, le Conseil d'État a en effet adopté, conformément à la lettre et à l'esprit de la Charte de l'environnement, une interprétation à la fois large et pragmatique de la notion de décision publique ayant une incidence sur l'environnement qui figure à l'article 7 de cette charte. Il a estimé que cette notion recouvrait effectivement les actes de nature réglementaire, y compris le cas échéant les ordonnances. La loi dite Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a consacré cette pratique en introduisant dans le code de l'environnement un article L121 qui prévoit désormais que les décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sous l'effet de ces nouveaux droits de citoyenneté, la démocratie environnementale conduit à l'émergence d'une nouvelle forme de citoyenneté. L'idée de citoyenneté sur laquelle repose la démocratie dite politique est à l'origine le corollaire de l'exercice de la souveraineté, c'est-à-dire de la participation au gouvernement de la cité. En ce sens, la citoyenneté telle qu'elle s'est construite dans un cadre étatique est intrinsèquement liée à la détention des droits civils et politiques, dont la jouissance est indissociable de l'appartenance à une nation. Cette nouvelle forme de citoyenneté qui s'exprime dans la démocratie environnementale diffère de cette citoyenneté politique. Elle en diffère en premier lieu en ce qu'elle n'est pas liée, du moins pas directement, à l'exercice de la souveraineté nationale, même si l'État en est bien évidemment le lieu principal d'expression. Les droits de participation et de transparence, qui sont au cœur de la démocratie environnementale, procèdent en effet directement de la même notion d'environnement. Elles sont la contrepartie, ou plutôt le prolongement du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, affirmé par l'article 1er de la Charte de l'environnement, mais aussi le devoir de toute personne de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, exprimé à l'article 2 de la Charte. La citoyenneté environnementale n'est donc pas liée à l'exercice de la souveraineté, mais à la seule existence d'un bien public, d'un patrimoine commun des êtres humains. En ce sens, elle est une citoyenneté de la chose publique. Par nature, cette nouvelle forme de citoyenneté est dissociée de la citoyenneté politique, dans la mesure où les droits qui en sont l'expression ne sont pas, à la différence des droits politiques, des droits liés à la construction d'une société politique dans le cadre de l'État, et ne sont donc pas des droits conférés par l'État ou inhérents par lui. Ils sont en effet des droits fondamentaux dont chaque être humain dispose et qu'il peut opposer à la puissance publique. C'est ce qu'ont affirmé en 2008 le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel en reconnaissant la valeur constitutionnelle de l'article 7 de la Charte de l'environnement. La consécration du principe de participation par l'article 7 qui dispose que, je cite, « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités politiques et de participer à l'élaboration des décisions politiques ayant une incidence sur l'environnement. Les conditions d'application de cet article ont été encadrées par la loi. La mise en œuvre de l'article 7 a été codifiée à l'occasion de la loi Grenelle 2 à l'article L121 du Code de l'environnement. Cet article s'applique lorsqu'aucun autre dispositif particulier de participation n'est prévu, de type enquête publique par exemple. L'article L121 prévoit que toutes les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement sont soumises à participation.
le caractère de droits fondamentaux des principes de participation et de transparence procède en outre de leur reconnaissance par des conventions internationales relatives à l'environnement. La déclaration de Rio de 1992, et son principe 10 qui rappelle que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient. La convention d'Aarhus, signée par la France le 25 juin 1998, dont les paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 6 sont d'application directe, vise à garantir le droit à l'information des citoyens en matière environnementale, leur participation au processus décisionnel et leur accès à la justice. Ces derniers imposent donc aux autorités publiques, notamment, d'informer le public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé. En tant que droits fondamentaux, ces nouveaux droits de citoyenneté sont donc attribués à toute personne, indépendant de sa nationalité, à la différence de la citoyenneté politique, comme l'atteste la notion de public auquel s'adressent les mesures d'information et de participation. Cette notion se définit uniquement par référence à l'intérêt des personnes concernées par les procédures décisionnelles en matière d'environnement. Cette nouvelle forme de citoyenneté qui fonde la démocratie environnementale ne remplace pas la citoyenneté politique. Sa vocation est au contraire de la compléter et de contribuer ainsi à un enrichissement du pacte social. Pour cela, à l'aune des modalités concrètes d'organisation et des principes qui guident la démocratie politique, la pratique de cette nouvelle citoyenneté doit être encore enrichie afin de la rendre plus effective et afin qu'elle mette pleinement en œuvre le principe d'égalité. C'est dans ce sens que les récentes décisions rendues par le Conseil constitutionnel dans le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité ont prononcé la non-conformité à la Constitution de 4 dispositifs de participation spécifiques prévus dans le Code de l'environnement. Il a également jugé que les décisions individuelles devraient, au même titre que les décisions réglementaires et les décisions d'espèces, faire l'objet d'une participation du public. L'abrogation des dispositions concernées interviendra selon les cas au 1er janvier ou au 1er septembre 2013. Afin d'éviter la censure probable de l'article 120.1, le présent projet de loi permet de proposer des modalités d'application véritablement effectives du principe de participation du public et de traiter les questions environnementales en garantissant la transparence et l'effectivité des décisions publiques. Cette nouvelle forme de citoyenneté dont elle permet l'expression, qui procède directement de l'existence même de la chose publique, complète de manière continue et concrète, sans lien avec l'idée de souveraineté, l'expression de la citoyenneté politique entre deux manifestations du suffrage. C'est pour toutes ces raisons que le groupe UMP votera pour ce texte. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Alain Houpert. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Evelyne Didier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, l'adoption de la Charte de l'environnement fut un signe fort pour une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales dans les textes, marquant notamment la reconnaissance du droit de toute personne à accéder aux informations et de participer à la prise de décision des autorités publiques en la matière. Sa valeur juridique a été reconnue par plusieurs décisions du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, et par ce projet de loi, nous en tirons les conséquences législatives, notamment au regard des dispositions qui ont été censurées et qui méritent une action rapide du gouvernement. Ainsi, la Charte de l'environnement, en son article 7, impose la participation du public à toute décision ayant des incidences environnementales. Récemment, vous êtes engagée, Madame la Ministre, durant la conférence environnementale qui s'est tenue les 14 et 15 septembre dernier à Paris, au renforcement du rôle du public dans la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques, en reconnaissant la nécessité d'une participation effective du public. Nous sommes favorables à cet objectif qui permet une plus grande transparence, une démocratisation des politiques publiques en matière d'environnement, et nous sommes donc favorables aux objectifs définis par le présent projet de loi qui opère à la fois une clarification de la procédure
ainsi qu'une meilleure lisibilité pour nos concitoyens. Il faut savoir au préalable que ce projet de loi définit la procédure minimale de participation du public, un certain nombre de décisions relevant de procédures particulières et notamment de l'enquête publique Bouchardeau. Le travail approfondi effectué en commission a permis d'enrichir très sensiblement le texte et nous souhaitons souligner ici le climat constructif instauré par notre rapporteur, par le président également, animé par la volonté d'arriver au meilleur consensus. Et c'est donc une satisfaction, et par ailleurs, certains de nos amendements ayant été adoptés à ce moment-là, nous étions satisfaits des travaux en commission. Depuis, les choses ont bougé, et il va peut-être y avoir quelques décalages entre ce que je voulais dire et puis ce que j'ai envie de dire maintenant, compte tenu de nos travaux tout récents, n'est-ce pas ? Mais que voulez-vous ? Nous avons découvert des amendements il y a à peine une demi-heure. J'arrive au contenu du projet de loi. Concernant particulièrement le périmètre d'application du présent dispositif, même si nous prenons acte de l'élargissement de l'application de cette procédure aux décisions d'espèce, à savoir les décisions concernant un domaine restreint, nous continuons de regretter que la procédure ainsi définie ne traite pas des décisions individuelles qui feront l'objet, vous nous l'avez expliqué, d'une ordonnance selon l'article 7 du projet de loi. Nous contestons habituellement et très régulièrement le recours aux ordonnances. C'est pourquoi nous avons posé, même lorsqu'il s'agissait d'un autre gouvernement, et Dieu sait s'il en a usé et abusé des ordonnances, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons posé en commission la question de savoir pourquoi la procédure ainsi définie ne pouvait pas s'appliquer aux décisions individuelles. Vous avez indiqué tout à l'heure, Madame la Ministre, vouloir associer notre commission à la rédaction des ordonnances. C'est pourquoi je vous en donne acte et je n'irai pas plus loin sur cet aspect-là, ce qui ne m'empêchera pas de continuer à contester d'une manière générale les ordonnances par ailleurs. Ensuite, le périmètre des actes visés doit être élargi à ceux émanant des autorités administratives indépendantes dont les conséquences en matière environnementale sont importantes. Il s'agit notamment des actes de la Commission de régulation de l'énergie, de l'autorité de sûreté nucléaire ou encore de l'Agence nationale des fréquences. Nous proposions un nouvel amendement, mais cette question sera abordée à l'examen puisque d'autres amendements du gouvernement vont venir, impacter notre propre amendement. Sur la procédure telle que définie à l'article L121, nous avons évolué en commission. Ainsi, nous étions satisfaits que la commission ait convenu avec nous de la nécessité de porter à 30 jours au lieu de 15 le délai octroyé au public pour disposer de l'information et formaliser un avis, cette période étant ramenée à 21 jours pour les avis rendus par voie postale pour des raisons techniques. Depuis, le gouvernement a proposé un amendement. Nous allons donc y revenir. Madame la rapporteure, vous avez entendu notre demande de motiver la décision définitive. Il nous semble en effet que la motivation permet de rendre compte concrètement des observations du public. Nous avons enrichi le présent projet de loi par l'adoption d'un amendement déposé par notre groupe permettant d'affirmer le principe d'information et de participation des élus locaux aux décisions ayant une incidence sur l'environnement. Depuis, les choses ont évolué et nous allons donc y revenir. En commission, j'ai évoqué cette question parce que dans la commune dont je suis maire, nous avons eu à subir, j'emploie ce mot, une procédure d'enquête, d'une enquête pour la forme, enquête qui s'est déroulée en été, et en réalité, nous n'avions pas été avisés que nous étions dans ce périmètre d'enquête. Et il a fallu la vigilance d'une association pour que nous en soyons informés et que le conseil municipal puisse se prononcer, ce qui explique les amendements que j'ai déposés. Et donc, j'aimerais tout de même que même si on ne prend pas l'amendement à l'État parce que visiblement ça pose des questions, j'aimerais qu'on trouve une réponse concrète à ce sujet. Tel que défini à l'article 1er, la mise à disposition du projet de décision ainsi que la note de présentation au public se font uniquement de manière numérique. C'est une autre question, ce qui nous semble encore insuffisant pour garantir l'information de tous. Trop de nos concitoyens ne disposent pas d'un accès Internet, même si je reconnais qu'Internet a grandement contribué à informer un nombre croissant de personnes. Et ça, il ne faut pas le nier. Et nous attendons, Madame la Ministre, donc des engagements de votre part de favoriser l'accès aux technologies numériques permettant ainsi une participation effective du plus grand nombre aux prises de décisions ayant des incidences environnementales. De la même manière, l'information
du lancement de ce type de procédure doit faire l'objet d'une publicité affichée dans les mairies, en tout cas c'est notre avis, lorsque ces mairies sont concernées. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'afficher tout ce qui peut paraître, mais aussi en préfecture. Les discussions en commission nous ont confirmé qu'il s'agissait d'une préoccupation partagée à laquelle nous souhaitons que vous répondiez. D'autre part, la définition de l'urgence qui permet de ne pas consulter le public nous semblait trop large et pouvoir donner lieu à des abus. Enfin, nous attendons avec impatience la refonte annoncée du code minier qui permettra, nous le demandons, de rendre publiques les décisions d'accorder des permis d'explorer ou d'exploiter le sous-sol. En fait, nous allons y revenir également puisque le gouvernement a apporté des précisions et un amendement rectifié va arriver tout à l'heure. Nous sommes soulagés que, Madame la ministre, vous ayez continué de dire qu'il y avait interdiction d'exploration des gaz et huiles de schiste. Nous espérons qu'à la remise du rapport Gallois qui prône le développement de la recherche sur les techniques d'exploitation des hydrocarbures de roche, considérant la présence de ces ressources fossiles comme une opportunité pour la compétitivité de notre pays, ne vous fera pas changer d'avis. Interdire l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures de roche est un impératif environnemental auquel les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen, comme les élus et les habitants des territoires concernés, sont particulièrement sensibles. Dans l'attente de la refonte du code minier, et parce qu'en commission, sur tous les bancs, nous nous sommes accordés sur le fait qu'il existait un vide juridique préjudiciable, nous proposons que la procédure d'octroi du permis de recherche, ainsi que celle d'octroi de concession, on verra que les concessions sont déjà soumises à procédure, mais en tout cas, que nous trouvions une solution pour que les élus comme la population soient informés. La transition écologique que nous appelons de nos voeux ne se fera pas sans associer les citoyens aux procédures de décision publique. Nous espérons que nos travaux en séance publique permettront encore d'enrichir ce texte qui, dès à présent, reçoit notre approbation. Je vous remercie. Merci, Madame Évelyne Didier. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Henri Tandonnet. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté était pour le moins attendu. Attendu par le Conseil constitutionnel qui s'est déjà exprimé à 4 reprises sur la question de la participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Il est donc nécessaire de légiférer pour limiter l'insécurité juridique liée aux décisions du Conseil. Attendu par les législateurs que nous sommes, car la Charte de l'environnement nous sommet d'encadrer et de légiférer sur les dispositifs d'information et de consultation du public. Nous devions donc nous saisir de ce sujet. Attendu pour les citoyens eux-mêmes, pour qui ce texte apporte de nouveaux droits, mais aussi une nouvelle responsabilité dans la prise de la décision publique. Sans revenir intégralement sur les dispositions qui ont été exposées avant moi, j'aimerais dans un premier temps apporter mon soutien aux objectifs de ce texte, ensuite pointer du doigt les difficultés juridiques du champ d'application du texte liées de surcroît à une procédure d'ordonnance que l'on ne peut accepter. Enfin, notre commission du développement durable a soulevé différents problèmes que nous devons résoudre en séance avec, je l'espère, l'éclairage du gouvernement. Tout d'abord, ce projet de loi répond à une double exigence constitutionnelle et en matière de développement durable. Comme la rapporteure de la Commission l'a rappelé, le principe de participation du public est au cœur des exigences en matière de développement durable. Lorsqu'elle a un impact environnemental, la décision publique, qu'elle vienne de l'État, de ses établissements ou des collectivités territoriales, concerne chaque citoyen plus que dans toutes les autres matières. Ainsi, la participation active des citoyens au processus décisionnel constitue un progrès démocratique, une avancée dans la transparence que chacun peut saluer et soutenir. Du sommet de Rio en 92 à la loi Barnier de 95, en passant par l'adoption de la Charte de l'environnement en 2004, nous pouvons tous nous réjouir des progrès réalisés dans cette matière. Ce projet de loi s'inscrit donc dans ce même axe d'évolution et nous ne pouvons que soutenir les objectifs de fond de ce texte. Il faut néanmoins bien mesurer l'impact de la loi que nous votons. Nous devons trouver un chemin étroit entre la consultation publique qui tient compte des observations des citoyens et la nécessité
et la nécessaire efficacité de la décision publique qui ne doit pas être bloquée par des dispositions que nous lui imposons. Par ailleurs, ce projet de loi tire la conséquence de 4 décisions du Conseil constitutionnel rendues dans le cadre de la procédure de questions prioritaires de constitutionnalité. Le dispositif des QPC est à mettre au rang des progrès institutionnels voulus par la majorité précédente et portés par le groupe centriste du Sénat. Grâce aux QPC, nous sommes certes contraints de légiférer, mais nous le faisons pour améliorer la sécurité du cadre juridique qui entoure la société. Ainsi, même si les délais sont parfois courts, les QPC permettent de justifier pour une fois la procédure accélérée. En effet, les 4 décisions du Conseil sont applicables au 1er janvier 2013 pour les décisions d'ordre réglementaire et au 1er septembre 2013 pour les décisions individuelles. Concernant ces dernières, le délai est suffisamment long pour que ni la procédure accélérée ni le recours à une ordonnance ne soient justifiés. J'y reviendrai dans ma deuxième partie. Le champ d'application juridique du dispositif a besoin d'être clarifié afin de supprimer le recours à une ordonnance pour légiférer. J'en viens maintenant au champ d'application de ce projet de loi et principalement au dispositif de l'article 1er. Le processus de consultation du public proposé à cet article ne concerne que les décisions publiques de niveau réglementaire et les décisions dites d'espèce. Les décisions dites individuelles en sont très clairement exclues et sont concernées par la demande d'habilitation à légiférer par l'ordonnance de l'article 7 du projet. Je ne comprends pas ce découpage. Toutes les décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement sont concernées par les décisions du Conseil constitutionnel. Comme je le rappelais dans les débats lors de notre commission, ce découpage est artificiel. Certaines décisions n'appartiennent à aucune catégorie. Mieux vaut parler de décisions publiques ayant une incidence environnementale. C'est pourquoi j'ai déposé un premier amendement à l'article 1er, de manière à élargir le dispositif à toutes les décisions. Pardon. Cet amendement répond également à une demande apparue dans les observations recueillies dans la consultation publique sur ce projet de loi, puisque vous êtes soumis normalement à cette nouvelle procédure. Selon l'étude d'impact de ce texte, un quart des remarques concernent le champ matériel d'application du texte et notamment l'inclusion des décisions individuelles. De plus, le dispositif relatif aux décisions individuelles est repoussé à une habilitation d'ordonnance. Cette procédure dessaisit le législateur de son rôle et nous ne pouvons nous en satisfaire. Le groupe centriste du Sénat s'est toujours opposé aux ordonnances. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement miroir à celui de l'article 1er, supprimant intégralement l'article 7. Comme la rapporteure le souligne dans son rapport, le Conseil constitutionnel reconnaît dans une décision de 1999 que l'urgence est au nombre des justifications que le gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution. Or, le texte que nous examinons a été adopté en Conseil des ministres le 3 octobre dernier. Le dispositif relatif aux décisions individuelles doit être adopté avant le 1er septembre 2013. Je ne suis pas sûr que les 11 mois séparant ces deux dates soient un véritable motif d'urgence justifiant une ordonnance. Je pense qu'il y a une fragilité importante à ce sujet. En outre, dans 2 décisions de 1977 et de 1986, le Conseil a également exigé que le gouvernement doive indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation ou pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre. Sur cette base, je ne suis pas convaincu que l'article 7 nous présente suffisamment de garanties de précision du dispositif pour nous dessaisir aveuglément de notre pouvoir, qui plus est sur un texte qui concerne une question de consultation du public. C'est plus que surprenant, c'est manifestement un réel manquement vis-à-vis du Parlement. En conséquence, et pour éviter toute censure du Conseil constitutionnel sur cette habilitation, je ne peux que vous inviter à supprimer cet article, à moins que le gouvernement ne nous fasse connaître plus précisément ses intentions en termes de décision individuelle. Enfin, le dispositif de consultation du public soulève en lui-même encore quelques questions, comme le démontrent les modifications apportées par notre commission. Au-delà de la question du champ d'application, de nombreuses questions restent en suspens après nos débats en commission. Concernant les délais minimums de consultation, notre commission, dans un premier temps, les avait doublés.
À la suite des dernières observations, on irait vers une solution médiane de 21 jours. Je pense qu'un doublement du délai ne semblerait totalement contre-productif et en adoptant un dispositif trop long, nous allons bloquer tous les décideurs publics qui auraient alors tendance à se saisir de la procédure d'urgence. La Commission a également souhaité, sous l'impulsion de nos collègues du groupe CRC, que les conseils municipaux concernés soient informés et consultés. C'est une bonne mesure. Il faudra néanmoins régler la question des délais de consultation, là encore problématique. Enfin, à l'initiative de la rapporteure, la notion de tenue compte a été introduite dans le texte. Je suis convaincu que cette notion, même si elle est séduisante, va introduire un grand nombre de recours juridiques de la part de nos concitoyens contre les décisions prises. L'étude d'impact du gouvernement considère que la synthèse prévue permettra à toute personne de constater dans quelle mesure ses observations ont influencé la décision adoptée. Cette remarque de bon sens me semble suffisante et devrait nous permettre de ne pas ajouter la notion voulue par le rapporteur. Voilà, l'important, c'est la participation, disait Coubertin. Il faut tout de même y ajouter l'art et la manière pour que cette participation soit utile et efficace. En ce début d'examen du texte, je ne suis pas sûr que toutes les conditions soient totalement réunies. Ainsi, le groupe UDI-UC se prononcera sur ce texte en fonction du sort réservé à ses amendements, notamment sur l'article 7. Madame la ministre, vous avez parlé de démocratie participative. Je pense qu'avant de parler de démocratie participative, on pourrait parler de démocratie normale. La démocratie normale, c'est de respecter les fondements de la répartition des pouvoirs. Le droit de légiférer appartient au Parlement et je suis vraiment très déçu que nous soyons, par cet article 7, écartés de la discussion des décisions individuelles, d'autant plus qu'elles concernent surtout les collectivités territoriales et que le Sénat est quand même là pour les défendre. Merci, Monsieur Henry. Étant donné, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Raymond Val. Bonjour. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je m'exprime en ce moment au nom du groupe RDSE et bien entendu au titre de cette présidence, de cette commission, Madame la ministre, dont je voudrais vous rapporter le fait qu'elle a travaillé avec beaucoup, disons, de conviction, dans des conditions difficiles. Et je voudrais commencer par les remercier, tous mes collègues de cette commission, qui ont, je crois, gardé le sens de l'intérêt général, mais aussi voulu préserver l'efficacité de l'action. Donc le présent projet de loi tire les conséquences de 4 questions prioritaires de constitutionnalité récentes. L'une du mois d'octobre 2011 et 3 autres datant du mois de juillet dernier. Elles présentent toutes un trait commun, la méconnaissance du principe de participation du public, principe qui trouve ses origines en droit international avec la déclaration de Rio de 1992 et la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la France en 2002. En droit national, nous disposions déjà d'enquêtes publiques ou de concertations publiques et la loi Barnier du 2 février 1995 à appliquer ce principe aux projets qui ont une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Si nous devons tous nous réjouir face à la confirmation de la valeur constitutionnelle du principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement de 2004, le législateur doit à nouveau se pencher sur son application et notamment sur son effectivité. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé certaines dispositions du Code de l'environnement contraires à ce principe. Elle concerne tout d'abord les décrets de nomenclature, les projets de prescription générale et technique des installations classées pour la protection de l'environnement, les fameuses IPCE. Les décrets sur la délimitation des zones de protection des aires d'alimentation de captage d'eau potable et des zones d'érosion, ainsi que leurs programmes d'action. Enfin, une décision concerne les dérogations à la protection des espèces animales et végétales. Dans tous les cas, les sages du Conseil constitutionnel ont considéré que l'application du principe de participation du public n'était pas garantie.
Pour les décisions réglementaires qui ont une portée générale, la publication du projet de décision avant la saisine de l'organe consultatif concerné n'a pas été jugée suffisante. Actuellement, ces procédures ne prévoient pas le recueil des observations du public et ne consacrent qu'une branche du principe de participation, à savoir le droit à l'information. La participation à proprement parler est ignorée par ces dispositions. Or, il revient à la loi de définir les conditions et les limites de la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le projet de loi aurait pu se borner à rectifier le tir et régulariser en quelque sorte les dispositions du Code de l'environnement qui sont abrogées à partir du 1er janvier 2013. Mais ce texte qui est proposé va plus loin puisqu'il anticipe d'éventuelles censures inspirées par les mêmes motifs. En effet, l'article L121 du Code de l'environnement prévoit une procédure analogue à celles qui ont été censurées pour les décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics, c'est-à-dire une publication du projet de décision avant saisine de l'organe consultatif compétent. Cependant, il convient de garder en mémoire que cette procédure n'est que supplétive, elle s'applique uniquement à l'absence de dispositions particulières. Ainsi, l'article 1er procède à sa réécriture en rendant systématique le recueil des observations des citoyens dans un délai qui permettent à ces derniers de participer pleinement et à l'administration de les prendre en compte. L'article L121 du Code de l'environnement prévoyait déjà cette modalité de participation. Elle sera désormais généralisée, mais aussi améliorée. En outre, le champ d'application de l'article L121 du Code de l'environnement est étendu aux décisions d'espèces catégories d'actes administratifs qui ne sont ni réglementaires ni individuels. Il convient de saluer donc l'obligation pour l'administration de produire une note de présentation du projet de décision non technique. Cette note a vocation à expliquer clairement les enjeux environnementaux et associer l'ensemble des citoyens aux décisions de l'État et de ses établissements publics. Un délai minimum de 21 jours est instauré pour les observations qui parviendraient à l'administration par voie postale et un délai minimal a été en tout cas demandé pour atteindre 30 jours pour les observations émises par voie électronique. Nous en rediscuterons tout à l'heure. Toutefois, ce délai nous paraît un peu long et risque de rallonger les procédures administratives. En ce qui concerne les observations émises par voie postale, il me semble important d'associer les personnes, cela a déjà été dit, qui ne sont pas équipées d'une connexion Internet ou qui ne peuvent s'en servir. Les mêmes droits doivent leur être accordés, et c'est pourquoi un amendement du RDSE vise à rendre obligatoire l'affichage, cela a été également demandé par ma collègue Evelyne Didier, donc l'affichage dans les mairies, à concerner les préfectures pour que les consultations prévues par ce projet sur les décisions administratives puissent être effectives. Seuls les horaires et les lieux de consultation seront affichés et non l'ensemble, bien sûr, du document. L'article 1, tel que modifié par la Commission du développement durable, mais qui a vu en début d'après-midi, examiner les amendements proposés par le gouvernement, donc améliore également la transparence du processus de décision. Nous verrons comment nous avons pu conjuguer les amendements du gouvernement et ceux pris par la Commission. Et donc cette amélioration consiste à la publication de ces observations, ce qui sécurise juridiquement cette modalité de participation, car il devient alors difficile de reprocher à l'administration de ne pas avoir consulté les citoyens en bonne et due forme. Par ailleurs, lorsque la saisine d'un organe consultatif est prévue, la synthèse de ses observations lui sera communiquée, ce qui est, je crois, une avancée importante. Il est donc incontestable que ces modifications de fond renforcent l'effectivité du principe de participation auquel nous sommes tous attachés. L'association des citoyens aux décisions qui ont une incidence sur l'environnement n'est pas uniquement garante de leur transparence, elle est également garante de leur acceptabilité. Ainsi, ce projet de loi ne constitue pas seulement une réponse urgente et ponctuelle à des décisions de justice. Il convient de citer l'obligation de communication du projet de décision administrative aux conseils municipaux concernés, cela a également été rappelé. Toutefois, nous ne sommes pas favorables à ce que l'avis de ces derniers soit obligatoire, même si en l'absence d'avis au bout de 30 jours, celui-ci soit réputé favorable. Il convient de trouver un équilibre entre l'information des élus locaux et le risque de contentieux que peut engendrer un cadre trop rigide. Dans nos territoires, nous sommes tous concernés par des décisions de l'État qui ont parfois une incidence locale importante, mais l'impact de ces décisions ne justifie pas toujours une telle mesure.
Il ne faut pas, mes chers collègues, que sous couvert de participation et de transparence, on étale dans le temps la prise de décision. Cela a été rappelé tout au long du débat de notre commission. Je pense notamment qu'en matière d'éolien terrestre, domaine dans lequel se multiplient les recours abusifs sur les zones de développement de l'éolien, alors que le recours n'est pas toujours, dans la plupart des cas, rejeté par les tribunaux. Mais en attendant, ces décisions, nous l'avons également beaucoup rappelé en commission de justice, font perdre un temps considérable. Si nous sommes favorables à une participation du public effective et à la transparence des décisions qui ont un impact sur l'environnement, il ne convient pas d'instaurer un système dans lequel les seules voix qui s'expriment sont celles opposées au sujet, car malheureusement, nous sommes confrontés aux mêmes opposants sur des projets qui souvent ne les concernent pas, et parfois de très loin, mais dont l'opposition est devenue une raison d'être. N'oublions pas que le principe de participation est avant tout censé assurer la prise en compte de l'intérêt de tous et non pas celle de certains intérêts particuliers. Enfin, le gouvernement sera habilité par voie d'ordonnance, vous l'avez précisé tout à l'heure, madame la ministre, avec des engagements que nous avons bien entendus. Donc le gouvernement sera habilité à adopter par voie d'ordonnance des modifications nécessaires pour rendre effective la participation du public en ce qui concerne les décisions individuelles, sur lesquelles mon collègue Tandonné s'est beaucoup exprimé et reviendra tout à l'heure, ainsi que toutes les autres décisions publiques qui ont un impact sur l'environnement et qui ne sont pas incluses dans l'article L120 du Code de l'environnement, comme par exemple les décisions des collectivités locales, et l'on comprend que le Sénat puisse en quelque sorte s'émouvoir de ces ordonnances. Si le procédé peut être contesté, malgré vos engagements, sur lesquels nous rediscuterons tout à l'heure, il est vrai que l'abrogation des dispositions qui autorisent les dérogations à la protection des espèces animales et végétales et qui sont des décisions individuelles interviendra à partir du 1er septembre 2013 et qu'il faut donc réagir. Pour conclure, le présent projet de loi renforce donc la démocratie environnementale participative sans ignorer la représentation nationale. Il est à ce titre équilibré. Car si les citoyennes doivent disposer du droit de décider des projets qui peuvent avoir un impact sur leur santé et leur bien-être, les membres du groupe RDSE considèrent que la démocratie représentative demeure la meilleure expression de l'intérêt général. Merci. Merci, Monsieur le Président Val. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Ronan Dantec. Madame la ministre, monsieur le président, madame la rapporteure, chers collègues, toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. En adoptant cette phrase incluse dans la loi de 2005, qui donnait donc une force constitutionnelle à la Charte de l'environnement, le Parlement avait alors clairement affirmé sa volonté d'inscrire la Constitution française dans le droit fil de la Convention d'Aarhus, ratifiée par la France en juillet 2002, très exactement 10 ans après le sommet de la Terre à Rio. Cette Convention des Nations Unies s'appuyait sur le chapitre 10 de ce très beau texte que reste la déclaration finale de Rio en 1992. Je la recite, « La meilleure façon de traiter les questions d'environnement » et d'assurer la participation de tous les citoyens au niveau qui convient. Ainsi, notre discussion du jour ne doit pas se résumer au fait d'adopter, en procédure accélérée, une loi d'application permettant de résoudre un certain nombre de contentieux juridiques et de censures du Conseil constitutionnel, mais bien d'affirmer notre volonté politique de répondre aux grands enjeux environnementaux et de considérer que, pour ce faire, il est absolument nécessaire d'y associer étroitement les citoyens. Ce n'est pas totalement notre culture, autant le reconnaître. La tradition française a fait de l'État le garant unique de l'intérêt général et nous avons construit un système de lois et de grands corps d'État qui est censé répondre à toutes les interrogations, car détenteur du savoir et du pouvoir. C'est donc bien le savoir qu'il s'agit ici de partager et donc probablement aussi un peu le pouvoir.
Ce texte s'inscrit donc bien dans une forme d'évolution, pour ne pas dire révolution, le mot a été utilisé avant moi, révolution culturelle. Et ce n'est pas si simple. Un certain nombre d'événements récents le montrent d'ailleurs clairement. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce texte allant dans le bon sens, le groupe écologiste le votera sans hésiter, en espérant qu'une majorité claire se dégage pour l'adopter. Je rappelle d'ailleurs que lors du vote sur la charte de l'environnement, c'était bien la majorité de droite de l'époque, en 2005, qui avait porté ce texte voulu par Jacques Chirac. Les écologistes avaient d'ailleurs soutenu, par leur vote, cette charte de l'environnement. C'était un peu moins vrai pour les autres groupes de gauche, mais c'était une autre époque, et je ne doute donc pas qu'aujourd'hui, le consensus sera encore plus grand. Le travail constructif en commission, je salue la rapporteure qui va nous rejoindre, le travail constructif en commission nous a d'ailleurs montré le chemin avec déjà plusieurs améliorations du texte, notamment sur le temps du débat public, beaucoup trop court et que nous avons donc un peu étendu, probablement pas encore assez, mais nous verrons à l'usage et dans la discussion à venir. Cette séance peut d'ailleurs nous donner l'occasion d'autres améliorations. Le groupe écologiste a ainsi proposé plusieurs amendements, comme sur l'extension de l'accès à l'information détenue par les entreprises soumises à ICPE. Surtout, un point essentiel nous semble être la nécessité de doter l'ensemble du dispositif d'un organisme garant qui, en garantissant le suivi des procédures, apportera aux citoyens l'assurance que sa mobilisation et ses avis seront pris en compte. C'est un point important qui nous rapprochera des pays les plus en avance sur ces questions. Par exemple, Madame la rapporteure l'avait cité, le Québec a mis en place en 1978 un bureau d'audience publique sur l'environnement, organe consultatif et indépendant chargé d'informer et de consulter la population. Ce BAP organise des consultations, des débats, innove en s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information, mais met aussi en place des procédures de médiation. Car il ne s'agit pas juste de recueillir des avis en laissant l'État ou tout autre décideur seul juge de leur utilisation. S'il y a bien une logique à cette charte de l'environnement, c'est de créer le processus qui permette des projets acceptés parce que partagés. Comme le disait la rapporteure de la Commission des lois à l'Assemblée nationale en 2004, Madame Kosciusko-Morizet en l'occurrence, la participation ne doit pas avoir lieu à un moment où les choix ont été faits par l'autorité publique. On ne peut mieux dire demander un avis et ne pas en tenir compte, c'est s'exposer ensuite à bien des difficultés. Imaginons, par exemple, un grand projet du genre aéroportuaire pour lequel on commencerait un grand débat public sur le thème « La plateforme actuelle est saturée ». Débat qui se conclurait par le fait que finalement, non, cette plateforme ne l'est pas et ne le sera jamais, mais que malgré tout, les promoteurs poursuivraient leur projet mais avec de nouveaux arguments qui n'étaient pourtant pas au cœur du débat public. Imaginons toujours une étude coût-bénéfice, pièce réglementaire adossée à l'enquête publique du même projet, quelques années après. Et imaginons que ce calcul des bénéfices soit fondé sur une valeur économique donnée à l'heure économisée, pour les heureux bénéficiaires de ce nouvel équipement, à un prix jusqu'alors jamais connu et jamais utilisé dans d'autres enquêtes de même nature. Rendant ainsi très précieuse, extrêmement précieuse, l'heure gagnée par n'importe quel touriste partant pour une semaine de vacances en Tunisie ou aux Baléares. On serait évidemment surpris, tout en constatant qu'évidemment, sans cette réévaluation du tarif horaire, le bilan de cette enquête coût-bénéfice serait fortement défavorable au projet. Imaginons enfin que nous soyons sur un territoire où les procédures de médiation font rimer l'acronyme du BAP québécois, B-A-P-E, avec bulldozer, arasement, policier et expulsion. S'étonnerait-on alors, dans cette situation, que la participation du public se transforme à la fin en manifestation et occupation des lieux ? Soyons donc clairs, ce projet de loi doit s'inscrire dans une conception de notre société où un État intègre et transparent joue le jeu de l'information, au risque de perdre le débat public quand ses arguments sont par trop faibles. C'est cette prise de risque qui le rendra demain capable aussi de faire partager ses projets et de les rendre applicables quand ses convictions sont justes et clairement expliquées. S'il refuse de prendre ce risque, l'État se prépare à de nombreuses désillusions. À travers le débat de ce jour, c'est donc bien la volonté de passer un cap qui doit guider notre réflexion, pour le bien de l'environnement bien sûr,
mais aussi pour le renforcement et la modernisation de notre vie démocratique. C'est dans cet esprit que le groupe écologiste soutiendra ce texte. Merci, Monsieur Dantec. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Luc Fiché. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le Rapporteur, mes chers collègues, je vais prêter le temps de cette intervention, ma voix au Déterviau qui devait lire cette intervention et qui malheureusement est empêchée pour cet après-midi. Moins de 2 mois après la conférence environnementale, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui présente une double volonté, faire vivre la démocratie environnementale mais aussi favoriser la rationalisation législative. Alors que le gouvernement précédent n'a pas pris en compte les décisions du Conseil constitutionnel, dont la première était pourtant connue dès l'automne 2011. Votre gouvernement, Madame la Ministre, s'est immédiatement emparé de cet enjeu de la participation qui doit contribuer à l'édification de l'écologie du XXIe siècle, fondée sur la transparence, le dialogue et surtout la confiance à rétablir entre tous les acteurs. Au-delà des inconstitutionnalités qui rendent nécessaire l'adaptation de notre législation, ce projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public, défini par l'article 7 de la Charte de l'environnement, s'inscrit en effet dans la perspective d'une transition écologique et citoyenne. La feuille de route issue de la conférence environnementale précise ainsi que le passage à une participation effective suppose d'une part que son rôle dans la mise en œuvre et le suivi des politiques soit renforcé, d'autre part que soient levés plusieurs freins tenant notamment à l'insuffisance de l'information et de l'éducation du public, à la disponibilité des acteurs et à la complexité des procédures. Le principe de participation du public, déjà consacré dans le Code de l'environnement par la loi dite de Barnier en 1995, a été élevé au rang constitutionnel par l'article 7 de la Charte de l'environnement, puis confirmé en l'espèce par des décisions du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Cet article 7 dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et dans les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Au terme de cet article, le principe de participation s'appuie sur 2 piliers cohérents et autonomes, le droit d'accès à l'information environnementale et la participation à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil constitutionnel relève pour sa part que les dispositions relatives à l'information du public ne peuvent avoir trait à la participation du public. En effet, informer n'est pas participer. À cet égard, les amendements adoptés par la Commission du développement durable, en particulier ceux proposés par notre excellente rapporteure et qui mettent en œuvre les principes de la transversalité et de la traçabilité, représentent des apports fort utiles. Je voudrais cependant ajouter une condition intrinsèque qu'il conviendra d'aborder rapidement dans le cadre de partenariats entre les 5 collèges du Grenelle, à savoir l'éducation et la formation. Car si l'information semble accessible à tous, la participation pour être effective et significative exige des connaissances intellectuelles et culturelles, parfois très pointues, comme le dispose l'article 8 de la Charte de l'environnement. La généalogie de la participation puise ses racines aussi dans la Convention Artus, qui rappelle que les États signataires s'engagent à garantir les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement. À ce titre, je voudrais me féliciter une nouvelle fois de la décision de la Cour de cassation dans le procès Erika, qui a consacré la reconnaissance juridique du préjudice écologique et propose de le définir comme une atteinte directe ou indirecte à l'environnement. Dans le cadre du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, le Sénat avait pour sa part été à la pointe de ce combat, en donnant aux collectivités la possibilité d'exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. L'affermissement et l'élargissement du principe pollueur-payeur devront néanmoins être encouragés. Je sais pouvoir compter sur vous, Madame la Ministre, pour porter cette volonté. Voilà pour l'examen du projet de loi mettant en œuvre le principe de participation du public posé par l'article 7 de la Charte de l'environnement, un principe qui permet à chaque citoyen non seulement d'accéder à l'information environnementale, mais encore et surtout de participer à l'élaboration des décisions publiques qui ont un effet sur l'environnement. Nous y reviendrons bien évidemment plus largement dans notre journal de 19h, un journal présenté par Delphine Girard. Bonne soirée à tous sur Public Sénat.